l'école Mevasseur. Harry, il a fait de la Kabbalah. Et toi ? Harry Lachetboun, bonjour. Je rappelle que tu étudies la Kabbale et la Chassidoute avec ton maître en Israël, le Rav Korda, et tu transmets à ton tour cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. Cette semaine, nous abordons la Parashat Ameraglim, la section des explorateurs dans la deuxième année après la sortie d'Égypte. Moshe envoie les 12 chefs de tribu d'Israël pour explorer la terre. Mais voilà qu'après avoir exploré cette terre de Canaan, 10 d'entre eux reviennent avec un message négatif de peur et d'effroi. La tradition ésotérique nous propose de comprendre autrement la fameuse histoire des Meraglim, les explorateurs, et de redécouvrir ici la puissance et la kdusha des princes d'Israël, les grands tzadikim, chefs des tribus de Yaakov. Dieu laisse Moïse décider de l'envoi ou non de cette mission d'exploration et le laisse juger si les hommes sont aptes à conserver leur conscience divine dans cette confrontation ultime. L'idée d'explorer la terre promise ne vient donc pas de Moïse et n'est pas non plus une injonction divine. Non, c'est une demande du peuple hébreu qui, inquiet, de nouveau, veut pouvoir établir un plan d'attaque et se rassurer par là même. Le peuple se remet à douter. Il a vécu tous les miracles de la sortie d'Égypte, mais il s'est remis à douter. Depuis l'épisode du veau d'or, l'inconscient et ses angoisses profondes ont refait surface. Le miracle n'est plus l'évidence. À l'orée de la délivrance et de l'entrée en Eretz Canaan, le doute occupe soudain tout l'horizon. Et pourtant, ce choix des personnes pour aller explorer la terre n'est pas des moindres. Moïse envoie les plus grands spirituellement. Kula, Manachim, Rachet Bnei Israël. Toutes ces personnes étaient les chefs et princes des enfants d'Israël. Tous des grands tzadikim, des chefs spirituels et justes parfaits. Quelle est donc cette terre qui peut faire trembler des géants comme les princes des tribus d'Israël ? Car ils ont dit à leur retour d'exploration que c'est une terre qui mange celui qui l'habite. La Torah rapporte qu'ils ont craint la grande taille et la puissance de la population locale et leur ville fortifiée. Ce qu'ajoute la tradition mystique, c'est que cette terre a la particularité unique de nous confronter à nous-mêmes, à notre nature profonde. En effet, cette terre n'est pas facile à vivre. Elle est liée à la matérialité, donc à l'essence divine enclose dans la matière. Vivre en Eretz, c'est éveiller notre âme animale, notre inconscient. C'est y être en permanence confronté, à notre insu, dans un combat interne qui nous fait ressentir et exprimer les émotions et les réactions les plus primaires. Cette terre est âpre et nous le devenons à son contact. Alors, Harry Lachetboun, toi qui vis en Eretz Israël, comment aborder le quotidien vécu par les Israéliens, avec son lot d'épreuves difficiles, les peurs et les angoisses du terrorisme, ou tout simplement la vie en Eretz Israël ? Savlanout, patience, voilà le premier mot que les Israéliens d'aujourd'hui vous apprennent face à la dureté des épreuves de toutes sortes, petites et grandes, qui émaillent l'existence en Israël. Savlanout, de la racine sovel, qui veut dire fardeau, charge, et qui donne les termes de souffrance, endurance, tolérance. Ici, le quotidien est trivial, la courtoisie hors de propos, mais les immenses élans de générosité collective dans les moments graves y sont extraordinaires. À l'inverse, on n'y trouvera pas les travers des pays d'exil. Posture de victime et culture de l'assistanat, hypocrisie, obséquiosité, snobisme, morgue et mépris, violence gratuite, pure méchanceté. Alors, pourquoi les nations souhaitent-elles s'approprier cette terre ? Parce que, justement, elle permet l'introspection grâce à cette force qui fait s'exprimer le caractère, la personnalité véritable de chacun. C'est aussi face à cette terre que notre être divin peut se révéler dans sa réalité existentielle. Et c'est pourquoi il est possible d'aimer éperdument cette terre, parce qu'elle nous confronte à nos vérités intimes et révèle nos forces cachées, nos ressources pour guérir de nos blessures de l'âme, pour panser nos plaies, corriger nos défauts, réparer nos inconduites, laver nos échecs, nous faire devenir complètement nous-mêmes et grandir enfin pour atteindre notre dimension pleine et entière, nous révéler à nous-mêmes, à nos proches et au monde, tel que nous devons être. Il faut savoir qu'Eretz Israël est encore relié au monde de Yetzira.
Alors explique-nous maintenant de quoi les chefs des tribus avaient-ils peur. Les princes explorateurs craignirent d'être confrontés à cette exigence lorsqu'ils découvrirent cette terre pour la première fois. Être mis face à leur âme animale, quoi ? Quitter le silence du désert, l'abandon qui l'autorise, l'évidence d'une vie intégralement attachée au divin et absolument dépendante des générosités divines ? Ne plus recevoir la manne, mais devoir labourer la terre avant que de pouvoir manger et prononcer la bénédiction sur le pain, devoir décider par soi-même et ne plus s'en remettre aux colonnes de fumée et de feu pour choisir sa direction, ne plus pouvoir méditer toute la journée, prier, étudier, mais devoir travailler, se salir les mains et souffrir d'attendre avant que d'obtenir les choses. Les grandes âmes qu'étaient ces tzadikim, princes des tribus d'Israël, premiers explorateurs des Hetz Canaan, n'ont pas démérité au sens habituel où nous l'entendons dans les exégèses classiques bibliques. La Chassidoute nous propose plutôt de nous les représenter comme des êtres exceptionnels par la hauteur d'âme qui était la leur. Attachés de par leur nature et leur mérite au Shem Havaya, le nom divin du tétragramme, et ainsi totalement déconnectés de la réalité, ils se sont soudain retrouvés confrontés au Shem Elohim, le nom divin lié à la dimension naturelle du monde, très puissant en Eretz. Ils ont craint, d'une crainte divine, ne plus être en mesure de vivre leur judaïsme, un judaïsme exclusivement constitué de méditation, de prière et d'études. C'est-à-dire dans un retrait de la matérialité, plutôt que de rentrer dans le monde et travailler cette matière avec des règles, des lois qui consistent à doser, à peser, quantifier chaque chose. Et pourtant, Eretz Israël est un Gan Eden, le Gan Eden dans sa dimension physique. Leur Gan Eden était ce désert où la confrontation à Dieu est possible à chaque instant. La Sphira Chochma, qui les caractérise, ne veut pas travailler. Sa nature porte plutôt à la contemplation. Devoir travailler à chaque heure du jour, l'idée même n'appartenait pas à leur univers mental. Mais en terre promise, c'est au monde que se sont retrouvés confrontés les Meraglim. Comprenons. Beaucoup de commandements divins qui incombent aux Juifs ont un lien intime avec la matière. Toutes les lois concernant le travail de la terre, de la cacheroute et de Shabbat notamment. Dieu a voulu que l'expression de notre âme divine s'effectue dans une voie qui passe obligatoirement par la matière. Les Meraglim ont refusé cette approche. N'oublions pas qu'ils venaient de quitter l'Égypte et la dure réalité de l'esclavage égyptien. Ils avaient donc toutes les raisons de vouloir rester dans ce désert où Hachem s'occupait d'eux comme un enfant qui vient de naître et qui n'a rien à produire si ce n'est un état de contemplation du divin et se laisser bercer par la Shekhina, la présence divine. D'une certaine manière, la vie dans le désert de ces premiers Hébreux était comme le monde clos de la yeshiva d'hier et d'aujourd'hui. Un huis clos où l'on peut s'abandonner entre soi à une vie d'études, de prières et de bonnes actions. Il est si facile d'être kadosh quand on est séparé du reste du monde, mais Dieu demande la confrontation à ce monde, à l'altérité, à la diversité, à l'effort et à l'épreuve. Le pain doit se gagner, comme la paix doit être conquise. Hachem nous souhaite de prendre des risques, de nous dépasser. Il veut que nous sortions de nos ghettos, de nos rêves truqués, de notre bulle d'intimité communautaire pour aller à la rencontre de l'autre et de la différence. Influencer et me laisser imprégner sans renier ce que je suis. Grandir par ce que j'apprends et apporter au monde la lumière de ce que je suis. Ainsi, l'épisode des Meraglim évoque la rencontre constamment possible et bien réelle avec un univers qui n'est pas celui de mon monde d'appartenance. Et la nécessité que j'apprenne de cette confrontation du monde et sur moi-même. De l'état de Chochma, pure intelligence déconnectée, il faut en passer par la Bina, intelligence analytique et expression, pour tenter d'atteindre à l'état de Malchut, c'est-à-dire de révélation, de soi à soi et de soi au monde. Dieu m'aide si je travaille, et je dois travailler en tant que juif que je suis, à l'image du divin. Mais alors, pourquoi Moïse, qui connaît l'avenir, a-t-il tout de même accepté cette expédition? Il savait que la vie au désert durerait 39 années de plus, que tous les explorateurs mourraient dans le désert et ne s'établiraient pas en Eretz Canaan. La réponse de la tradition est exceptionnelle.
il fallait rapporter de cette exploration des souvenirs et une vision pour stimuler le désir et effectuer une préparation d'Eretz Israël pour la venue future du peuple juif. À travers les Meraglim, Moïse a mobilisé une énergie particulière qui s'est élevée de la terre jusqu'au monde divin. Moïse a préparé l'avenir en brisant la klippa, l'écorce qui retenait prisonnière les potentialités d'Eretz Israël, comme il avait brisé les clipotes de l'Égypte par les 10 plaies afin de libérer les esclaves hébreux. Cette terre garde cachée l'essence de Dieu. En y ajoutant une vision des mondes d'en haut, Moïse l'a libérée pour le peuple de Dieu, pour toujours et à jamais. Et elle nous dit entrer maintenant pour travailler la terre, travailler nos traits de caractère et essentiellement le Ratson, Eretz Israël, la volonté profonde de notre être intérieur. Merci beaucoup Ariel Hachetboun pour ta chronique Ariel a fait de la Kabbalah. On se retrouve la semaine prochaine. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbalah, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.